Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai pourquoi pas faire cette vidéo-là pour info. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent certaines de mes vidéos, justement, plus ou moins d'autres, ça dépend. Et il y a un format vidéo qui me plaît à faire, mais ça dépend aussi le temps nécessaire à faire, c'est les vidéos de terrain et Perlet Banite. Alors, comme vous avez vu, dans la dernière vidéo, justement, de la rue Louise Aubin-Mouette à l'avenue Gérald Marguerite, j'en ai parlé vite fait, dans les vidéos des Perlet Banite. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, de divers et variés, sur certaines de sortes de vidéos. Hein, par exemple, Yunas c'est du Minecraft, Yunas c'est des Perlet Banite, par exemple, ou de vidéos de terrain. Ou aussi sur d'autres formats de vidéos. Et je vais l'expliquer clairement, si vous voulez aller me voir ou me rencontrer, pourquoi pas, vous pouvez venir me voir, je vais pas vous bouffer, hein, y a pas de souci, hein. Et donc du coup, je pourrais vous échanger pas mal de choses et tout le machin, ça peut faire plaisir. Mais comme je vous disais, c'est que en fait, il y a plein de trucs, plein de formats, donc c'est un petit peu un truc institutionnel qu'on va faire. Et donc du coup, il y a par exemple les vidéos de terrain. Je sais que les vidéos de terrain font plaisir à beaucoup de gens parce qu'on voit le terrain, comment c'était avant, pendant ou après, ça dépend. Hein. De toute façon, normalement, je fais deux. Hein. Je fais deux vidéos, je fais pas plus. Une pendant ou avant, avant le changement d'éclairage et après l'éclairage. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il y a les vidéos de terrain. Mais il faut penser qu'il y a aussi les Perlet Banite qui sont assujettis, normalement dans la même semaine, assujettis à la rue en question. Parce que je vois qu'en fait, il y a un ratio. Il y a beaucoup de gens qui voient les vidéos de terrain, mais pas la vidéo de nuit, justement. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Par exemple, les vidéos que vous avez vues de la rue, justement, Louise Aubin-Mouette et l'avenue de Général Marguerite. Justement, la question est, c'est qu'en fait, on a la vidéo de jour. Donc, le jeudi, je crois ça, oui, le jeudi, la vidéo de jour. Et de nuit, la vidéo du samedi. Alors, apparemment, c'est à l'envers, mais bon. Et donc, du coup, vous aurez de jour et de nuit, le rendu. Hein. Ça peut être utile pour montrer aux gens comment que c'était avant, donc l'installation, et avant l'allumage, comment c'est allumé. Et après, la deuxième partition, donc ce sera après l'installation et après l'allumage, comment c'est rendu. Et comme ça, vous pourrez vous donner un aperçu des deux vidéos différentes sur le coup. Et donc, du coup, là, c'est pour ça que Perlet Banite, c'est pas un format spécifique. C'est un format qui est assujetti, justement, aux vidéos de terrain. Voilà. On va revenir un petit peu sur le sujet des abonnés. Donc, du coup, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui me connaissent. Et c'est impressionnant parce que je vois que je touche un public aussi assez jeune. Le dernier coup, j'étais faire mes records, justement. Mes enregistrements dans les rues en question, rue Louise Aubin-Mouette et tout ça. Et il y a des jeunes qui m'ont reconnu de loin. Ça fait plaisir de voir que à 13 ans, ils sont intéressés, ils me connaissent déjà. Donc je vois, ça y est, je suis un peu pesé dans le game. Mais il faut pas avoir peur. Si vous me voyez, vous venez me voir. Bon, pas non plus pendant un record, hein, parce que c'est chiant. Mais après, vous pouvez me poser des questions. Ça arrive que des fois, il y a des personnes même qui ne connaissent pas ma chaîne ou qui n'ont jamais vu une de mes vidéos qui paraissent chelou. Hein. Des fois, c'est vrai que quand je fais des vidéos de rue, les gens se posent des questions pourquoi je filme des lanternes ou je filme leur rue. Hein. Ça paraît bizarre aussi. Mais, donc la personne, bien sûr, très intelligente, attend que je finisse la vidéo pour me poser des questions. Parce qu'il y en a certains, des fois, c'est chiant, je suis obligé de relancer la vidéo entièrement. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, actuellement, s'il y a des personnes qui posent des questions, ça arrive. Hein. Il y en a beaucoup, des fois, qui me disent « Ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu filmes ?» Machin. Donc là, j'ai mon téléphone avec moi, donc je le montre à ma chaîne, je lui montre tout ça. « Ah oui, super, machin !» Là, par exemple, je vais voir avec la vie d'Epernay, si je peux en dire un petit aperçu, parce qu'il y a une vidéo de Epernay Banite, je crois que c'est la numéro 11, hein, la 11e vidéo d'Epernay Banite, elle a fait plusieurs centaines de vues, voire même plus de 1000 vues, c'est impressionnant. Donc en fait, il suffit simplement de se faire connaître à droite à gauche, et après ça viendra petit à petit, voilà. Par exemple, j'ai gagné 2 abonnés en l'espace d'une journée, voilà. Et donc ce qui fait, c'est que c'est impressionnant de voir que il y a toujours un public
qui me connaît pas et qui me voit, il me dit ah, je l'ai déjà vu quelque part ce mec là, il fait pas des vidéos YouTube. Bon, des fois ça prend du temps, hein, le temps qu'il voit, machin, tout ça. Mais ça m'a plu de voir 4 Kikou, hein, ils avaient 13-14 ans. Bon, pour moi, les Kikou c'est entre 8 et 15 ans, hein, 8, 15, 16 ans, voire 17 ans. Bon, pour moi, c'est des Kikou, hein, j'ai 31 ans, c'est normal. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là on voit qu'il y a quand même des jeunes qui regardent aussi mes vidéos. Alors, je ne sais pas si c'est en général sur toutes mes vidéos ou en général sur Minecraft ou sur les vidéos de terrain. C'est suivant le truc. Bon, après, si un jeune il voit ma vidéo sur vidéo de terrain ou un truc comme ça, puis il va s'intéresser à ma chaîne, puis voilà, pourquoi pas après s'abonner, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait quand même une petite partie quand même de gens qui voient mes vidéos, hein, une petite partie, un peu moins de 50%, mais il y a une petite partie qui voient mes vidéos mais qui sont pas abonnés à ma chaîne. Donc, bien sûr, je vous invite à vous abonner et bien sûr, mettre un petit pouce bleu et activer la cloche, bien sûr, pour continuer à voir mes formats intéressants. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'était simplement pour vous expliquer justement que là, donc si vous me voyez, vous attendez que je finisse mon record et après, il n'y a pas de souci, je peux discuter avec vous. J'ai resté pendant un bon bout de temps avec eux pour parler du collège, on a fait pas mal de trucs. Et je suis très ouvert, très à l'écoute. Si vous avez besoin de questions, même si c'est pas sur l'éclairage, sur autre chose, il n'y a pas de souci, je serai très à l'écoute. Voilà. Donc sur ce, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, je vous attends, hein. Ah, fais pas fort.